Cuisine du poète, Colette, Miss Mazur. Dans la cuisine nocturne, sous le néon cru et bourdonnant, tu ne verras rien qu'une femme à l'écriture. Elle a repoussé une assiette, trois verres, les reliefs d'un repas et rafraîchi la place de son cahier. Au dehors, il se peut que le vent tournoie et terrifie, que des paquets de pluie se plaquent au béton aveuglé. Sans doute, la neige mûrit-elle sous le froid? Les étoiles deviennent-elles piquantes? À moins que l'immonde ténèbre n'enserre l'univers dans sa poigne acérée. Elle penche la tête, comme ceux qui souffrent ou réfléchissent, mais sous le crayon courant entre les lignes, tu pourrais, tapis derrière elle, surprendre l'écume des vagues, quelques visages caressés, un arbre que l'été foudroie. Le récit de ta propre peur. Avec ses mots agiles, elle saisit la vie à la gorge pour lui faire rendre âme et image. La sorcière. Ce n'est qu'une femme, occupée à tailler une large tranche de poésie dans le pain tout chaud des jours.